je ne comprends pas comment Lila peut préférer être en stage de caraboum plutôt qu'ici à passer une journée d'été relaxante dans la piscine en faisant le plein de soleil. Eh bien, en fait, c'est... Laisse tomber. Restons silencieuses pour que je maximise mon plaisir à lire le nouveau livre des filles de l'espace. Salut, Bella! Polly, Shani, crise au stage de caraboum, aidez-moi! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça doit être abominable. Je n'ai jamais vu Bella aussi chamboulée. Et si c'est une brute qui l'embête? Ou un ours? Ou pire encore, s'il n'avait plus de guimauve à faire griller! Donc tu veux dire que la crise dont tu parlais est une petite fille? Cette petite fille est la petite fille de la grande professeure Khan, autrement dit celle qui se tient entre moi et la médaille de conseillère junior en caraboum! Je vais avoir besoin de quelques informations supplémentaires. Eh bien, le stage a très bien commencé. Bella et Lila, étant les participantes les plus âgées, vous avez l'opportunité de nous montrer vos aptitudes en caraboum et ainsi de remporter les médailles de conseillère junior. Rien ne nous arrêtait, Lila et moi. On réussissait chaque épreuve. On enchaînait les étoiles. Jusqu'au moment où la professeure Khan nous a annoncé la dernière épreuve. Vous allez devoir initier deux des plus jeunes participants aux fondamentaux du... Caraboum! Confiance, précision et concentration. Ces fondamentaux se manifesteront dans l'exécution de certains mouvements de caraboum. Confiance, la posture initiale. Précision, le coup de pied latéral. Caraboum! Concentration, l'épreuve de la planche. Ce soir, vous vous présenterez avec votre élève pour nous montrer que vous leur avez bien enseigné ses fondamentaux. Lila, tu travailleras avec Brandon. Bella, toi, tu travailleras avec Violette. Salut, toi. Je m'appelle Bella. Ravie de te rencontrer. Parfait. On n'a plus qu'à y aller.